Il va y avoir du sport. 6-9 la matinale, matin sport. Sport. Bonjour Mohamed. Bonjour. On commence avec le tirage au sort de la Champions League africaine et de la Coupe de la Confédération. Nos clubs fixés sur leurs adversaires. Eh bien oui, deux clubs engagés en Champions League africaine, le Mouloudia d'Alger dans le chapeau 4 et le Chaouab Riadi de Belouizdad dans le chapeau 2. On va commencer avec le Mouloudia d'Alger qui lui aura dans le groupe A et dans ce groupe, il va retrouver le tout puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, 5 fois vainqueur de la Champions League, Young Africans, finaliste de la Coupe de la CAF qui avait été battue par l'USMA d'Alger, et le Hillel du Soudan. Alors sur ce tirage au sort, première lecture avec l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Patrice Baumel. Il répond aux questions de Sid Ahmed Fateh. C'est un groupe très ouvert. Par contre, il va falloir, dans la logistique, se préparer à des voyages assez longs parce que aller en RDC ou en Tanzanie, c'est des voyages de 6, 7, 8 heures. Bien se préparer avec une composante aussi d'adaptation climatique sur les hauts plateaux ou proche de l'océan Indien. Mais j'ai envie de dire qu'il va falloir être solide à l'extérieur, bien voyager et puis bien sûr bénéficier de notre stade aussi, de notre terrain pour pouvoir essayer de faire le maximum le plein à domicile. Mais c'est un groupe très ouvert. Le deuxième représentant algérien dans la plus prestigieuse des compétitions africaines, le Chaouab Riadi de Belouizdad, lui a hérité tout simplement du géant africain, de la meilleure équipe africaine du siècle, le Ahly du Caire. Vainqueur, tenez-vous bien, détenteur du trophée, vainqueur 12 fois de la Champions League africaine. Également, il y aura dans le groupe du CRB Orlando Pirates d'Afrique du Sud, vainqueur en 1995, à l'époque on l'appelait la Coupe d'Afrique des clubs champions. Et puis, il y a eu le stade d'Abidjan de Côte d'Ivoire. Les clubs ivoiriens sont rentrés ces dernières années dans le rang. Mais comme je rappelle, il y a deux clubs qui se qualifient. Ça se jouera entre le CRB, le Ahly, grand favori, et Orlando Pirates. Mais, il y a un mais, faut surtout pas sous-estimer le stade d'Abidjan. Sur le tirage au sort, Corentin Martins, il répond aux questions de Nassim Adjaout. Dans tous les groupes, de toute façon, il y a de très bonnes équipes, de très grandes équipes. C'est vrai que nous, on est dans le groupe où il y a le tenant du titre, la Ligue, qui est un très gros palmarès. Ça n'a pas été un match facile, ça c'est sûr. Maintenant, il y a aussi les Orlando Pirates, qui souvent l'Afrique du Sud, il y a des joueurs de qualité qui développent du beau football. Une équipe qui a l'habitude aussi de jouer ce genre de compétition. Et puis après, bon, le stade d'Abidjan, donc peut-être qu'on connaît moins, mais faudra se méfier aussi, parce que le football ivoirien, c'est souvent un football avec beaucoup de puissance. Il faudra bien se préparer. C'était Corentin Martins, l'entraîneur du Chaouab Riadi de Belouizdad. Je rappellerai juste que la saison dernière, le CRB avait fait match nul en aller-retour contre le Ahly du Caire. Alors, première journée de la phase de poule en Ligue des Champions, ça sera le 26 et 27 novembre. La deuxième journée, elle aura lieu entre les 6 et les 8, et le 8 décembre prochain, en Coupe de la CAF. L'USMA d'Alger évoluera dans le groupe C aux côtés de l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, Jarraf du Sénégal et le Orapa United du Botswana. Le CS Constantine, lui, sera dans le groupe A et le CSC affrontera le club sfaxien de Tunisie, Bravo d'Angola, ainsi que le représentant, ou Bravos, vous qui aimez les prononciations hispaniques, ainsi que le représentant tanzanien Simba Sporting Club. L'USMA d'Alger entamera la phase de poule à domicile face au Botswanais d'Orapa United à l'occasion de la première journée, alors que le CS Constantine débutera par un déplacement contre le club sfaxien. Et toujours avec le foot, Mahamar Djebbour, les joueurs de l'équipe nationale sont arrivés en Algérie. Ils vont participer au match contre le Togo jeudi prochain, et ce en vue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Pour résumer, c'est un aller-retour contre le Togo le 10 et le 14 octobre prochain. Hier, séance d'entraînement, zone mixte également, départ sur Annaba où est programmé le match. Il se jouera jeudi à 20h. Le départ est programmé ce matin. Alors il y a un tout nouveau, il a une tête de bébé même, c'est Brahim Maza, d'adolescent plutôt, j'ai dit bébé non, adolescent, qui enregistre sa première sélection, on l'écoute. I'm very proud. Alhamdulillah, thank you very much. Je suis très fier. Merci à vous tous. J'espère que je pourrai faire le maximum. J'espère que je vais vous rendre heureux. Et je vais être fort pour vous tous. Be strong enough for you all.
Je rappelle, il a 18 ans, il arrive du Hertha Berlin. On va continuer avec les réactions. Mohamed Tougaï, lui, parle de l'adversaire de l'Algérie, le Togo, au micro de Rostam Yahya Chérif. Tous les pays africains ont le niveau pour jouer contre n'importe quelle équipe nationale. Il n'y a pas de différence entre nous et le Togo. Il va y avoir un match équilibré. Ou le meilleur sur le terrain qui va gagner le match. Les dernières années, il y a les joueurs africains qui jouent dans des grands clubs en Europe. Il y a un chauffeur pour eux. Inch'Allah, il y a une forge sur le terrain. Ou le fauze pour l'équipe nationale. كي يبدا لي ستاج نديرو دي رينيون تكنيك و تاكتيك نديرو لاناليز تاع تو لي زاتاكون لي نلعبو كونتر عليهم ان شاء الله لونترينور كي فا فير لي رينيون لي يلزمو Travail habituel, en d'autres termes, vous avez la réunion technique, vous avez la séance vidéo, décortiquer le jeu de l'adversaire, aller dans le détail, savoir que le déplacement des défenseurs, des attaquants, comment les contrer, comment évoluer face à une telle équipe du Togo. Il faudra surtout ne pas sous-estimer le Togo et s'assurer de la qualification. Donc match à 20h, ça sera à Annaba au stade du 19 mai. Concernant le Togo, eh bien le Togo a décidé de se préparer en Tunisie avec un mini stage, le sélectionneur togolais Nibombé Daré et une partie de son équipe dont les deux joueurs locaux Benjamin Olété et Koukou Kloubko. Eux, ils ont rejoint la capitale tunisienne samedi alors que le groupe a été au complet depuis hier avec une première séance d'entraînement. L'équipe du Togo, je rappelle juste le classement FIFA, 119e au classement FIFA. Depuis le mois de septembre, ils vont rejoindre Annaba demain, soit 24 heures avant le match. Désigné coach des éperviers, c'est comme ça qu'on les appelle, en septembre dernier, Daré Nibombé a dû composer avec plusieurs absences, dont l'attaquant d'El Ain, Emirat Arabe Unis, Kojo Fodo. Là-bas, les défenseurs Josué Awao et Kennedy Boateng et Loïc Basile, absents pour blessure. Lors des deux premières journées de qualif, je le rappelle, disputées en septembre, le Togo avait été tenu en échec d'entrée par le Libéria avant d'aller accrocher la Guinée équatoriale, 2-0. Voilà, on connaît tous les résultats concernant notre adversaire pour ce jeudi. Et avant de terminer, Mahmoud Djibour, avant de vous laisser partir, j'aimerais bien savoir si on pourrait avoir le nouveau maillot de l'équipe nationale. Est-ce que je peux l'avoir ? Alors, si vous voulez la voir, oui. Vous n'êtes pas la seule à me poser la question. J'ai reçu hier des dizaines et des dizaines d'appels concernant ce nouveau maillot. Il est beau, c'est vrai, l'équipementier, c'est une marque, la marque à trois bandes. Mais alors, grande question, vous devez aller vous déplacer à l'étranger pour la voir. Parce que du côté de la Fédération Algérienne de Football, ils ont eu une idée, on a l'impression qu'ils sont sur une autre planète. Je vais dire les choses telles quelles. On va me dire c'est du business. Non, il n'y a pas de business. C'est comme si je vais prendre un pays européen qui est équipé par une marque concurrente dont le siège se trouve aux États-Unis. Ils vont aller faire la présentation aux États-Unis. Mais soyons sérieux. La présentation du maillot aurait dû se faire en Algérie, pour les Algériens. Il y a des millions d'Algériens qui rêvent d'avoir ce maillot. Et puis, je comprends pas pourquoi on aurait pu inviter les Algériens qui vivent à l'étranger, ou ce qu'on appelle aujourd'hui cette nouvelle mode des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est votre génération, c'est vrai. Mais bon, disons-le, leur verre à pelle, qu'ils viennent ici, il n'y a pas de problème. Ils auraient pris leur portable, ils seraient photographiés, on aurait balancé ça sur les réseaux sociaux. Mais de cette manière, le maillot de l'équipe d'Algérie, elle est le présenter à Marseille. Ben ça, il fallait le faire. Et la fédération, et ça s'est fait avec l'accord de la Fédération Algérienne de Football. Puisqu'il y a eu une déclaration du représentant de l'équipementier qui a dit, c'est avec l'accord, c'est le marché, le lien entre les deux. Non, on aurait pu faire le même jour à Alger et à Marseille. Personne n'aurait trouvé à redire. Mais de là à privilégier la présentation du maillot à l'étranger, au lieu de commencer par là où évolue l'équipe nationale, et de faire coïncider justement avec ce match contre le Togo, la présentation du maillot, je pense que cela aurait été plus judicieux. Alors, aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de milliers, des millions d'Algériens qui rêvent d'avoir ce maillot. La présentation aurait dû commencer par l'inauguration de la boutique de l'équipe nationale, où les Algériens peuvent aller acheter un maillot décemment, le plus normalement du monde. Alors j'ai pu lire ici et là, oui, le maillot coûte 100 euros. Oui, il n'y a pas de problème. Quand on aime, on paye, on achète et on ne compte pas. Ça, c'est pour répondre à ceux qui disent c'est du business. Deuxième des choses, eh bien, on attend de voir ce maillot en Algérie. Alors, votre désir d'avoir le maillot de l'équipe d'Algérie, vous pouvez encore patienter bien longtemps. Ça m'étonne qu'on l'ait prochainement dans les boutiques à Alger ou dans une boutique de l'équipe nationale, puisque la fédération a promis depuis bien longtemps d'ouvrir une boutique et on l'attend
toujours cette boutique de l'équipe nationale pour permettre aux supporters d'aller acheter le plus normalement du monde le maillot de l'équipe nationale qu'ils portent avec fierté, tant en Algérie qu'à l'étranger, puisqu'on m'a même appelé des États-Unis pour ce maillot. Merci beaucoup, Mohamed Djebbour, pour toutes ces informations. Il est 7h28.